Salut à tous et bienvenue sur AZ237. De nos jours, la sensibilisation sur les intimidations en milieu scolaire s'améliore. De nombreuses campagnes prennent des mesures pour mettre fin à ce problème une fois pour toutes. Avec l'aide des tuteurs, des parents et de tout le monde, cela s'améliore lentement. Néanmoins, malgré les efforts sans relâche qui sont faits, les élèves continuent à être victimes dans leurs écoles. C'est ainsi qu'une adolescente sans histoire a dû perdre une partie de ses cheveux après avoir été la victime de l'un de ses camarades. Mais que s'est-il réellement passé? Avant de commencer, voici la question du jour. On peut me rencontrer dans un château ou dans une fourmilière. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Anna Combs, une fille de 15 ans vivant au Texas, fit l'expérience d'intimidation de la part de son camarade en plein milieu scolaire. Quelques semaines seulement après sa première année de lycée, un élève considéré comme la brute de l'établissement décida de s'en prendre à Anna. Certes, ce qui se passa la fit souffrir énormément, mais cela renforça également sa détermination à faire changer les choses. Pour sa première année au lycée Harker, Anna faisait de son mieux pour s'immerger dans sa nouvelle école. Presque tout allait bien pour elle, même avec son emploi du temps qui lui imposait son implication au programme de formation des officiers de réserve de l'armée de son école. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne soit sur la bonne voie avec son éducation. C'était comme si tout était déjà tracé devant elle. Elle devait juste faire les journées de travail difficiles qui se sont transformées en semaines, et Anna était en train de braver tout cela. Mais aussi vite qu'elle s'impliqua dans la vie du lycée, tout changea en un clin d'œil. Un après-midi fatidique, alors qu'elle parlait avec un ami dans le couloir, un élève s'arrêta derrière elle et lui fit quelque chose de choquant. Tout d'un coup, elle eut l'impression que quelqu'un lui avait mis du feu sur la tête. Elle ne savait pas ce que le garçon avait fait. Il l'avait fait certainement pensant que c'était drôle. Juste au moment où les choses se passaient bien, elle était devenue victime. Anna pleura à cause de la douleur atroce qui suivit cet horrible incident. Ce fut définitivement une expérience malheureuse. Puis soudain, Anna tomba au sol. Son camarade de classe se précipita vers elle dans le couloir, dans l'espoir qu'il pourrait l'aider et la conduire à l'infirmerie. Comme l'exige le protocole scolaire, les responsables de l'établissement avaient immédiatement appelé ses parents pour leur expliquer ce qui s'était passé. Lorsque les parents d'Anna arrivèrent à l'école pour voir leur fille, ils furent naturellement furieux. De plus, il semblait que l'école n'allait pas réprimander l'élève responsable. Ce n'était pas une école ordinaire, et de même, ce n'était pas un cas ordinaire d'intimidation. L'horrible épreuve qu'elle avait vécue à l'école ce jour-là avait malheureusement laissé Anna avec des brûlures chimiques au premier degré. Pourtant, ce n'était pas la seule chose que le médecin allait annoncer à sa famille. Anna allait devoir raser une partie de sa tête. Sa mère fut très triste à ce sujet, car elle savait que c'était une chose que Anna préférait d'elle. Ses cheveux étaient la seule chose qu'elle aimait chez elle. « Et elle en a perdu une partie sans raison », confia sa mère. Une fois qu'elle reprit ses esprits, Anna ne put croire ce qui lui était arrivé à la tête. Elle n'était pas prête à gérer ce genre de situation. Sa famille lui raconta tout quand elle se mit à regarder le miroir et cria. Que lui est-il arrivé exactement au point où sa tête avait dû être rasée? Pour Anna, cela n'allait pas disparaître du jour au lendemain. La terrible douleur allait probablement durer plusieurs jours. Au moins, à coup sûr, Anna et sa famille ne laisseraient pas passer cela. Anna n'avait rien fait de mal à personne et s'occupait simplement de ses propres affaires. Elle faisait de son mieux pour exceller à l'école. Sa mère Jessica décida de prendre position contre l'intimidation. Ce genre d'incident qui lui était déjà arrivé avait longtemps tourmenté le système scolaire. Elle créa une communauté sur Facebook appelée Justice for Anna. Sur la page, Anna raconta toute son histoire. Apparemment, le garçon qui lui avait fait cela avait en effet versé de la supercolle sur les cheveux d'Anna sans aucune raison. Il s'agissait en fait d'une farce. Anna déclara dans une interview plus tard à propos de son épreuve terrifiante qu'elle avait immédiatement commencé à brûler littéralement. La douleur était terrible qu'elle la décrivit comme étant des coups de soleil x10 et qu'elle avait dû endurer cette douleur. Personne ne mérite de vivre quelque chose comme ça. Anna voulait faire la différence. Elle voulait que les gens se défendent. Personne ne mérite d'être intimidé. Ce n'est juste pour personne. Ce n'était qu'une enfant normale avec de fortes croyances. En ce qui concerne l'intimidation, Anna voulait défendre les autres parce que cela en valait la peine. Alors que son intimidateur avait ruiné les cheveux qu'elle aimait tellement, elle était déterminée à ne pas le laisser lui voler sa confiance. L'intimidateur n'allait tout simplement pas gagner quoi qu'il arrive.
Pendant ce temps, le père d'Anna, Christian, n'était pas satisfait de la punition du responsable de l'attaque de sa fille, qui équivalait uniquement à une suspension à l'école pour les débutants. Christian exigea que la police du district scolaire indépendant de Killeen porte plainte pour agression. Cependant, la mère du garçon voyait les choses différemment. « Il a fait quelque chose de mal, oui », affirma-t-elle. « Mais c'est un enfant, et ce n'est pas comme s'il avait attrapé une batte de baseball pour la battre aussi fort qu'elle fut suspendue à un fil. » Heureusement pour Anna, tout cela s'était un peu arrangé lorsque la nouvelle de l'attaque éclata et que la communauté apprit qu'elle avait dû se raser une partie de ses cheveux. Un salon de coiffure local s'était même généreusement proposé pour l'aider gratuitement. Aussi horrible qu'elle fût, la terrible expérience d'intimidation d'Anna n'était finalement qu'un défi pour elle. C'était une adolescente vraiment déterminée et aucune action d'intimidation n'allait briser son esprit. Espérons que la résilience et les paroles d'Anna inciteront d'autres enfants à être fiers de ce qu'ils sont et à ne pas laisser les intimidateurs gagner. Cela pourrait être plus facile à dire qu'à faire. Mais avec elle comme exemple, qui sait ce qui pourrait arriver? Même s'il est vrai que dans la plupart des cas, ces incidents se produisent dans les couloirs des salles de classe, les cafétérias et un peu n'importe où dans l'enceinte de l'école. Bien qu'il est indéniable que des progrès soient en cours, il y a certainement encore un long chemin à parcourir. Cela ne sera pas facile, mais c'est le futur de la prochaine génération qui en dépend. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une reine. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.